bien entendre ça. Non, ça ne me fait pas du bien d'entendre ça. Pour moi, c'est une insulte. Moi, je crois que c'est un européen. Et faut pas être spécialiste ou alors c'est un psychopathe. Regardez même l'amitié avec Ducamel. Regardez. Je suis un psychopathe, Parfois, écoutez. lui-même, il revient, la paix s'installe, et après, il va prendre un sujet là, hein, là où Ducamel est concerné, et commence encore à fabuler Ducamel. C'est ça, c'était ça le truc, c'est ça avec lui. À chaque fois, il se réconcilie avec Ducamel, c'est lui qui revient. Là, comme un petit rat. Hein? Bon, et comme Ducamel dit, bon, voilà, ta 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 ta. Ducamel lui aussi, il repart là-bas là. Après, tandis que Ducamel, lui, sait que oui, il a récupéré son homme. Voilà, la paix s'est installée. À nouveau, il y a un sujet là où. En frappant Ducamel, le gars prend ça, et hey, maman, oh, il a sur une façon, oh, maman. Elle dit que, elle me met sur la place de Ducamel, est-ce que oui? Ouais, pasto, pasto, ouais. Nikita, toi-même regarde. Pasto, je suis gâté. Pasto, tu veux juste gâté. Tu veux que du camé, on se gâte. Mais c'est fini, on va plus se gâter. On ne se gâte plus. Soit quand il gâte, vous connaissez du caméra, il te fuit d'abord. Après un moment, tu vas seulement y aller dans ce direct. Il est tout malheureux. Il n'y a pas hein, vous commencez à dire que vous avez gâté l'amitié avec mon amitié avec du caméra. Bo, 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 bo. Quand il dit ça, un direct, deux directs, après le troisième, la troisième fois, c'est dans le direct du caméra. Il va. Hein? Bonjour Ducamel. Et après, il repart là-bas, là, content. Content. Hein? Il remercie, il dit Ducamel. Hein? Merci de m'avoir pardonné. Ceci, cela. Wow, 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 wow. Il quitte. Tac, il a café. Mais mon ami, une histoire parfois. Hein? On dit souvent. Il y a moi, quand je suis avec quelqu'un, et que, mais mon ami, je passe. Mais mon ami, le gars, lui, ne passe pas. Mais quand je suis souvent, le gars, à chaque fois, il frappe en lui. Et c'est Ducamel qui réaccepte. Hein. Dit que, bon, voilà, j'ai compris. Il veut nous gâter, compris, hein. Il veut nous gâter. Il veut qu'on se gâte. La reine mère bio ne dépasse pas tout le monde. La reine mère bio dépasse le Lofoja. Maman, j'ai dit que la reine mère bio dépasse le Lofoja. J'ai dit que la reine mère bio dépasse le Lofoja en termes de blogging, en tout, en âge. Parce qu'elle est là avant. Elle a commencé. Et parlant de rêve, alors c'est autre chose. Peut-être la reine mère bio a vu sur la toile à l'époque où rêve ne savait même pas encore laver son tote. Ça, on ne va pas dire que c'est faux. Oui, on sait que les rêves là sont tot. Elle est jeune de rêve. Bon, quoi qu'on dit qu'elle a 46 ans. Les combats sont. Hein? Je pose donc alors la question que bon, ça valorise le diamant bleu. Hein? Est-ce que le diamant bleu a changé? Hein? Hier, ça framponnait le diamant bleu proprement. Hein? Est-ce que hier, aujourd'hui, il y a eu un changement? Voilà encore, c'est mon gars, c'est mon gars. La honte de ça. J'aimerais que tu parles aussi un peu de ça. Oh, assaut final, assaut final. L'assaut final, je t'avais prévenu. Ça va se passer, ça va arriver. Tu comprends? Et tu sais, quand moi j'ai fait mes trucs, je tape sec, sans bruit. Si tu crois que l'assaut final, on parle, on va te prononcer dans un nom. C'est la joie que tu vas revoir dans cette église. Tu comprends? Je vais te prouver, j'ai déjà dit, je lui dis, même ce qui concerne les dangereux blagues, et je continue à dire, si ce n'était pas Ducamel, tu n'allais jamais prononcer dangereux blagues. Tu comprends?
En tant que quelqu'un de réfléchi, tellement tu avais pris ça là pour faire de ça ton. C'est pour ça même les Tatiana Mimba et consorts, les filles qui t'ont suivi à l'époque, pour ça j'avais dit, je comprends pourquoi certaines femmes tombent souvent amoureuses de leurs violeurs. Ici, j'ai vu ça ici. Ça n'a pas tombé enceinte au parloir. Ça veut dire que quelqu'un t'avait violé, agressé. Voilà.